Bonjour YouTube. Le jeu s'appelle Sayonara Wild Hearts. Je suis allé regarder sur un site qui s'appelle OpenCritic, que vous connaissez peut-être, qui est l'équivalent de Metacritic, mais avec des algorithmes moins trafiqués. Dans une ville beaucoup comme la vôtre, il y avait une jeune femme qui était très heureuse. Et je regardais quels étaient les jeux Switch les mieux notés de ces derniers temps. Et l'un de ceux qui a eu le meilleur note, c'était celui-là. So our saga begins tonight, yet eons ago, just here, yet light years away. Notre histoire commence dans un boutique de falafel. C'est un jeu musical, mais pas que, avec une direction artistique absolument démentielle et une putain de bonne son. Alors, juste pour le plaisir, on va se refaire le premier niveau du jeu. Ça permettra de vous comprendre basiquement le concept, même si même moi je suis pas sûr d'avoir encore tout compris, parce que comme dit, j'ai arrêté après le premier niveau. Je ne peux plus entendre cette musique depuis que j'ai fait Evil Within 2, je crois. But one night a cursed arcana intersected the astral highways, and along with her star-crossed allies, they stole all harmony and hid it in their vile hearts. Before the divine trio started to fade, they created heroin from the shards of a broken heart. Alors je sais, comme ça, ça a pas l'air super fun, hein, mais je laisse un peu le scénario parce que bon. Hey, listen! Perso, je me fais réveiller par ça, crois-moi que je panique beaucoup plus que ça quand même. Voilà, ça c'est le jeu. Donc on est sur notre skateboard, il faut qu'on récupère le maximum de choses sur notre chemin pour faire le meilleur score. Je pense n'avoir aucun besoin de vous dire que naturellement la manette vibre en rythme, etc. Ah, raté. Crotte. Donc, tout le jeu, c'est de placer votre héroïne sur cette bande. Je vais attraper le vif d'or. GG. Silver rank. Ah, je croyais que j'avais fait gold la première fois que j'avais joué. Oui, j'avais fait gold. J'avais fait 15 900 euros. Bon, niveau 2. Niveau 2 que j'ai encore jamais fait, ça, pour le coup. Donc à partir de là, c'est terrain inconnu. Ah, je rate plein de trucs. Tout va bien. D'accord, c'est des portails, en fait. Ok.
c'est relativement frénétique là quand même. Je sais pas si le stream tient le coup. J'espère. Je prends. Dans un premier temps, les Sylvain Rank, je prends. Hein. Faut pas déconner. C'est quand même une putain de DA ce jeu. Ah oui, c'est un système. Un peu de mal à me placer. Non, ça va. Ah! Il y a un côté extrêmement jouissif et feel good en fait dans le jeu. C'est surtout ça qui fait que je l'aime, je pense. Disons que c'est pas Thumper, voilà. J'aime beaucoup Thumper, j'adore Thumper, c'est un excellent jeu de rythme. Thumper est épuisant. Ah, je crois que c'est les méchants, eux. On les reconnaît au fait que leur moto et leur casque n'ont pas la même tête que les nôtres. Oui. Faisons encore un ou deux levels. Et ça va être un putain de combat de danse. Pourquoi je pose la question? D'accord. Ah, donc là on change complètement de gameplay en fait. D'accord, je suis un peu plus réactif. Ok, donc petite phase de pur jeu de rythme. D'accord. Et maintenant ça mélange les deux en fait. Ok. Ok. Ha. Fukumazi. On va peut-être se faire encore un level. J'ai envie de continuer un petit peu. On y est que depuis 10 minutes. Essayons de faire de la vidéo d'un quart d'heure au minimum, sinon YouTube va commencer à comprendre qu'on soutient leur game. Ce serait quand même une mauvaise chose. Yop là. Oh. J'aime beaucoup la bande son aussi. Ah, pardon. Oui, je pensais qu'il y aurait une QTE en fait. Des années de jeux vidéo récents m'ont appris que dans ces cas-là, tu avais une QTE. Voilà, genre ça. C'est à ça que je m'attendais plus. Trop tôt ou trop tard là? Je devais être trop tôt. Ah oui, dites donc.
Ah, merde, j'avais pas compris. Merde. Ok. Ça semblait être une bonne idée de vouloir essayer de récupérer ce truc, ça ne l'était pas. Merde! Vous savez de quoi j'ai un flashback là? Night into Dream. Ah, je lis le chat, c'est pas le moment. Pattern, c'est bon, là on est parti en mode shmup en fait. Une, deux, ok. Risky, merci. Merde! Non, je suis décalé encore plus. Voilà, là on est bien. Pas très épais votre route quand même, messieurs dames, là. Ok. Bronze. Pas cher payé, quand même. Ah oui, donc il y a des niveaux vachement plus longs. Ok, c'est noté. Et avec plein de gameplay différents dedans. Soit. Juste, je suis à combien du niveau argent? Ah oui, je suis à peine au bronze, en fait. D'accord. Il y a du taf, encore. Il y a combien de niveaux, en tout? Beaucoup. Très bien. Donc. Je vais en faire encore un. Je vais en faire encore un. J'en fais encore un dernier. Ça va être quoi ce aussi? La lune. Ouh! Quand même intense en termes de essayer de comprendre ce qui se passe ces niveaux-là. Thank you.
Ok. Les psychogères. Ok, bon. Ça s'appelle Sayonara Wilder, c'est sur Switch, c'est vachement bien. Je ne vais pas aller plus loin pour éviter de trop spoil, mais si ce que vous venez de voir vous plaît, ça coûte genre même pas une vingtaine de balles, je crois, et ça vaut vraiment le coup. Voilà.